C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, les Ontariens devraient recevoir des soins de santé de bonne qualité quand ils en ont besoin. Ce gouvernement a permis que les services de santé essentiels ne soient pas disponibles. Les salles d'urgence continuent à fermer et un nouveau rapport de la Coalition ontarienne de santé a dénoncé les fermetures de plus de 800 salles d'urgence cette année. Donc, parmi vous, Monsieur le Président, au Premier ministre, quelle est l'explication possible que ce gouvernement pourrait-il donner aux Ontariens qui ont vu ces problèmes? Réponse, la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, quand il y a des hôpitaux qui doivent prendre des décisions en se concentrant sur les ressources humaines sur lesquelles ils comptent pour faire une fermeture d'une heure, d'un tour, ces fermetures temporaires. Oui, bien sûr, c'est perturbateur pour la communauté, mais c'est exactement la raison pour laquelle notre gouvernement a fait un effort conscient tel pour investir dans les ressources humaines pour embaucher plus d'infirmières qui s'entraînent dans la province de l'Ontario pour élargir le nombre de personnes disponibles. Autant que docteur de famille en Ontario, nous allons continuer sur la ligne de travail que nous avions déjà commencée parce que nous savons déjà comment cela est important pour les Ontariens. Question complémentaire. Monsieur le Président, la ministre peut essayer de l'expliquer de la façon dans laquelle elle décide, mais la réalité est très différente. La Coalition ontarienne de santé a dit que ces fermetures sont une faillite, un échec sans précédent de la part de ce gouvernement. Ces fermetures multiples de façon simultanée ont mené à 51 fermetures cette année. À Clinton, les gens n'ont pas accès à une salle d'urgence dans l'année 2019. C'est un des moments les plus occupés dans les salles d'urgence. Qu'est-ce que ce Premier ministre va-t-il faire pour arrêter les fermetures des salles d'urgence pendant la séance des fêtes? La ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président. Ce que nous allons continuer à faire, c'est de travailler avec nos partenaires, les hôpitaux, pour continuer à investir et assurer qu'on ait des plans, des paiements alternatifs pour que tous les médecins puissent fournir le service dans les régions mal desservies. Les médecins doivent être en mesure de pouvoir appeler et rapporter ces difficultés pour faire en sorte que les patients puissent avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Nous travaillons pour que les patients qui se trouvent maintenant dans les salles d'urgence puissent avoir accès à des médecins de famille qui puissent les aider à résoudre des enjeux spécifiques pour assurer que nous n'ayons pas des pénuries de travailleurs de la santé de médecins dans l'Ontario. Voilà le type de changements positifs qui ont été suggérés par nos partenaires dans les hôpitaux pour aider nos communautés. Complémentaire final. Appeler un ami, voilà leur solution. Les médecins doivent être en mesure d'appeler un ami. C'est une solution. C'est une solution nulle pour toutes les personnes qui se trouvent dans les salles d'urgence qui ont fermé leurs portes. 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas accès à un médecin de famille. L'hôpital Mindamoya, qui a été renouvelé, a dû fermer ses portes parce que ce gouvernement a financé l'embauche de personnel. Les hôpitaux et les salles d'urgence sont arnaqués par les agences de placement temporaire qui s'attaquent au système de santé publique. Le gouvernement a dépensé 2,8 millions de dollars en agences temporaires. Moi, j'ai parlé avec les hôpitaux dans le Nord. Ils ne peuvent pas même payer les salaires. Nous devons, Madame, Monsieur le Président, agir pour résoudre d'une fois par toutes cette crise. On doit donner le financement nécessaire pour assurer que les soins soient fournis quand il est nécessaire, où il est nécessaire. La ministre de la Santé. L'opposition, quand nous avions annoncé le budget avec une extension des investissements en domaine de santé, bon, l'opposition a voté contre. Nous avions annoncé 50 nouvelles expansions, soit à Niagara,
soit qu'on parle des expansions dans les communautés partout dans l'Ontario, où est-ce que les néo-démocrates se trouvent-ils en votant contre ce que nous proposons? Nous allons continuer à faire les investissements. Dans notre budget, nous avions eu une augmentation de 4 %. Voilà les changements que nous sommes en train de faire en tant que gouvernement pour faire en sorte que nos hôpitaux et nos communautés soient robustes et les soins de santé soient fournis quand ils sont nécessaires. Prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, ma question est pour le Premier ministre. Le gouvernement a annoncé qu'il va fermer les portes du centre scientifique et que ce centre va être rouvert dans un nouveau édifice de la moitié de la taille. Cela va affecter Thorncliffe Park et Flemington Park. C'est une décision, Monsieur le Président, qui n'a pas beaucoup de sens. L'opposition officielle, le néo-démocrate, nous avons eu accès à un nouveau document secret du gouvernement qui a comme titre « Plan de relocalisation du centre scientifique par le gouvernement ». Ce que ce document ne contient pas, c'est la date. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a gardé ses plans en secret si la date dans le document était dans l'année 2021 pendant les élections de l'année 2022? Réponse, le ministre de Multiculturalisme, Culture et Sport. Merci, Monsieur le Président, et à la chef de l'opposition officielle pour sa question. Il semblerait que le mot « tourisme » est un mauvais mot. Le tourisme représente 36 milliards de dollars d'activités économiques. 400 000 postes de travail, Monsieur le Président. 82 000 carrières liées au tourisme. Nous parlons d'une opportunité, d'une chance, d'une destination, d'attirer les gens, ne pas seulement des gens de l'Ontario, mais des gens de partout le pays et peut-être même des États-Unis. C'est une destination qui est importante, soit que c'est un spa, les parcs aquatiques, toutes sortes de projets qu'on puisse utilisé pour attirer plus de tourisme. Les touristes veulent, Monsieur le Président, venir ici. C'est pour cette raison que nous leur rendons une destination attirante pour tout le monde, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le document For Your Information, pour son nom en anglais, a décrit le plan pour bouger le centre scientifique 2 ans même avant l'annonce, avant les élections. Le gouvernement justifie une décision qui apparemment avait déjà été faite par le gouvernement. Ils ont gardé ces informations en secret, malgré les nombreuses demandes que nous avions faites pour publier cette information. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, pour le Premier ministre, pourquoi la population devrait-elle faire confiance à un gouvernement qui prend des décisions sans se baser sur les évidences? Réponse, le ministre du Tourisme, Multiculturalisme et des Sports. Encore une fois, tel que je l'ai mentionné, 2 cas d'études, c'est bien mieux que 1. Il y a eu 2 cas qui ont suggéré, qui ont bien indiqué que c'est une chance exceptionnelle, ce qui est le plus important. En revenant sur ce mot « tourisme » que la plupart des gens ne semblent pas très aimer, nous parlons de bâtir des opportunités en Ontario, des postes de travail, des carrières, des destinations, de rendre la place Ontario un lieu que les gens veulent visiter. Un lieu où les gens veulent rester pendant 2 jours ou même plus. Voilà l'objet du tourisme, Monsieur le Président. Les Ontariens font un travail excellent. Les gens qui travaillent dans ce domaine font un meilleur travail dû à la COVID. Ils veulent que les gens viennent en Ontario, Monsieur le Président. Ils veulent que les gens visitent la province, qu'ils restent inaudibles. Intervention du Président, la députée de Hamilton Mountain, à l'ordre, s'il vous plaît. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois au Premier ministre. Si l'idée était si magnifique, pourquoi vous avez travaillé si fort pour la garder en secret? Je ne vous crois pas et je ne pense pas que les Ontariens vous croient non plus. Plus tôt cette année, Monsieur le Président, les néo-démocrates ont
publié un document for your information qui indiquait que le gouvernement avait décidé de payer un parking pour l'entreprise Termei dans le mois de janvier 2009. 2021 plutôt. S'ils avaient le plan 2 ans avant de le rendre public pour toute la population, est-ce que le Premier ministre peut le dire maintenant? Est-ce qu'il est en train de bâtir un centre scientifique de la moitié de la taille sur le SPA? Et de cette façon, va-t-il justifier l'investissement de 750 millions de dollars pour le parking? Réponse, le ministre. Merci, Monsieur le Président, pour la question. Oh, le centre scientifique, c'est un endroit merveilleux, c'est un endroit public. Moi, je n'étais pas dans le marché immobilier avant. Mais quand on parle de l'espace, on a les régions communes. Ce sont des espaces parmi lesquels les gens doivent bouger d'une place à l'autre. Ça fait partie du dessin. Le nouveau centre scientifique ne va pas avoir tellement d'espace commun parce que ça va être préparé avec de plus d'efficacité. Ça va créer une expérience. Vraiment, ne vous occupez pas des régions communes. Occupez-vous des présentations qui vont être faites, que les gens vont vouloir visiter. Ça ne va pas être une exhibition des couloirs. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ne pas tous les enfants ont des jardins ni des espaces publics. Et les gens qui vivent dans des édifices méritent d'avoir un espace public aussi. Pourquoi pas? Ce gouvernement est occupé avec la planification d'un spa de luxe dans le centre-ville de Toronto. Tout en même temps, à Brampton, les gens voient des augmentations des impôts qui vont jusqu'à 34 % pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que le plan du gouvernement pour dissoudre la région de Peel va avoir un coût de plus de 1,3 milliard de dollars, Monsieur le Président. Donc, encore une fois, au Premier ministre, comment peut-il justifier l'augmentation la plus importante des impôts dans la région de Peel et de Brampton en pleine crise d'abordabilité? La parole au leader parlementaire du gouvernement. Je peux vous dire que le gouvernement se concentre sur la réduction des impôts, sur la construction de logements. C'est ce que nous avions fait dès l'année 2018 et nous allons certainement pas permettre qu'une communauté augmente des impôts de façon que les gens de cette communauté ne puissent pas faire face au coût du prix d'y vivre. C'est drôle que la chef de l'opposition officielle face à ce commentaire, parce que quand nous avions proposé de réduire les impôts, elle a voté contre. Quand nous avions proposé de réduire les impôts sur les personnes qui avaient les revenus les plus faibles, les néo-démocrates ont voté contre ça. Parce que, au fond, des croyances des néo-démocrates, les gens doivent dépendre des gouvernements. Nous, de notre côté, nous croyons qu'on doit donner aux gens les outils pour qu'ils puissent avoir du succès par eux-mêmes. Et nous allons continuer ainsi. Question complémentaire. Monsieur le Président, cette entente entre le Premier ministre et le nouveau leader libéral va rendre la vie plus chère pour 1,5 million de personnes dans la région de Peel. Des milliers de personnes se trouvent dans la région de Brampton seulement. Les services publics vont être affectés. On ne sait pas exactement comment, mais ce qu'on sait, c'est que grâce à cette entente, les impôts vont augmenter, vont fléchir même. Donc, encore une fois, au Premier ministre de la province, qu'est-ce qu'il a-t-il à dire par rapport à l'augmentation de 34 % des impôts? Ministre des Affaires municipales et logements. Je confiance sur le fait que l'augmentation pour les commettants de Brampton ne va pas être de 34 %, à moins que le maire ou le conseiller soit néo-démocrate, parce que nous connaissons l'histoire des néo-démocrates, Monsieur le Président, c'est toujours la même chanson. Nous avions éliminé les néo-démocrates, les représentants néo-démocrates de Brampton, parce qu'ils sont si
anciens, ils sont contre la population, contre les entreprises, contre les investissements. C'est toujours, toujours la même chose, Monsieur le Président. C'est un parti politique qui n'a pas des idées. Leur temps, autant qu'opposition, commence à s'écouler, mes chers collègues, parce qu'ils n'ont aucune idée. Donc, Monsieur le Président, nous avions créé des milliers de postes de travail partout dans la province. Nous avions réduit les impôts. Nous avions fait des investissements dans tous les domaines importants de la province de l'Ontario. Ce qui a été consistant, c'est que les néo-démocrates ont voté contre. Question, la parole au député de Brantford-Brent. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de Développement économique, la création des emplois et la commercialisation. Sous le gouvernement libéral précédent, appuyé par les néo-démocrates, les entreprises internationales considéraient des lieux où s'élargir, mais l'Ontario n'était jamais considéré. Les entreprises ne voulaient pas naviguer les fardeaux administratifs de l'Ontario. Quand nous avions arrivé au gouvernement, immédiatement, nous avions agi pour enlever l'augmentation des impôts planifiés par les néo-démocrates et les formalités administratives. Maintenant, aujourd'hui, l'Ontario est un des premiers lieux où les entreprises veulent s'installer et investir. Nous avions créé les conditions pour que les entreprises puissent avoir du succès. Nous avions vu des nombres sans précédent de création d'emplois dans la province. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer quels sont les investissements que l'Ontario a vus grâce à ces mesures? La réponse, le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avions été présents dans l'inauguration de Kainos. C'est une compagnie de technologie de l'information irlandaise. Ils ont annoncé une installation au centre-ville de Toronto. Initialement avec 100 employés, potentiellement avec 300 employés. Tout cela parce que nous avions réduit les impôts, réduit les formalités administratives. Donc, je souhaite la bienvenue à Kainos et aux 100 employés, peut-être plus. Bien évidemment, ils viennent du Royaume-Uni. Ils ont ouvert le premier laboratoire d'intelligence artificielle ici en Ontario, ici à Toronto. Nous étions un des 50 pays qui les voulaient et ils ont choisi de venir ici. Ils sont des centaines d'employés qui vont être employés dans le centre opérationnel de Toronto. Donc, Monsieur le Président, nous sommes très reconnaissants. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour la réponse. On penserait qu'avec la création des milliers de postes de travail, dès que nous avions arrivé au gouvernement, les néo-démocrates allaient appuyer notre abordage. Mais ils continuent avec leurs propositions qui n'appuient pas notre économie et qui détruisent notre économie. Nous avions fait des efforts, mais les libéraux ont passé les derniers 6 mois en choisissant un leader qui appuie la même agenda contre le développement économique que les néo-démocrates. Nous avions augmenté le produit brut interne dans un montant de 8 milliards de dollars par an et nous avions vu une inondation d'investissement dans la province. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer quels sont les autres investissements que l'Ontario a assurés pendant les derniers mois? Merci, Monsieur le Président. Dit le ministre, la semaine dernière, nous avions vu des centaines de millions de dollars en investissement. Harrod Shipyards va investir 107 millions de dollars à St. Catharines pour élargir le projet de production de bateaux. C'est un appui millionnaire pour notre gouvernement. Un autre investissement de Medicam de 165 millions de dollars à London. C'est une plante de production de 140 000 pieds carrés. 135 nouveaux postes de travail qui s'en viennent, Monsieur le Président. Avant de la pandémie, on ne produisait pas d'équipement de protection personnelle en Ontario. Une fois que Medicom arrive en Ontario pour fabriquer de gants en matériaux de nitrile, nous allons produire cet équipement de protection personnelle ici en Ontario. Prochaine question, la députée de Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Ce gouvernement a décidé que le spa de luxe
ne va pas aller en comité, le projet de loi qui traite la construction de ce projet de loi. Ce projet de loi permet au ministre de l'Infrastructure le pouvoir de donner des arrêts de zonage municipal sans rien expliquer. Cela permet au gouvernement d'accélérer les processus pour ses alliés, pour ses amis. Ces promoteurs ne font pas le travail, n'aident pas les communautés, mais ils enrichissent certaines personnes. Je me demande qui est-ce qui va s'enrichir maintenant? Réponse, le ministre des Affaires municipales et logements. Je vais vous dire ce qui va arriver, Monsieur le Président. Ce qui arrive il y a longtemps dans la province de l'Ontario. Les Ontariens continuent à avoir de la prospérité grâce aux politiques de ce gouvernement. Le ministre du Développement économique vient de mentionner tous les investissements que nous allons recevoir. Nous savons que quand de l'autre côté, ils ont eu la chance, ils ont renvoyé le secteur de la production des automobiles. Nous avions dit que nous allons faire des investissements pour amener des grands postes de travail dans la province de l'Ontario, pour que les Ontariens puissent continuer à avoir de la prospérité. Il va y avoir des milliers de travail qui vont venir en Ontario, qui vont venir des États-Unis. C'est une destination de laquelle on doit continuer à être fier. Malheureusement, les libéraux et les néo-démocrates ont permis que nous, en tant que destination, on s'effondre. Mais nous, nous avions repris la situation et nous allons continuer à faire encore mieux. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et ma question est encore une fois pour le Premier ministre. La place Ontario est un trésor public reconnu en tant que patrimoine. La loi d'évaluation environnementale va être passée outre dû au projet de loi numéro 154 qui va permettre au ministère de l'Infrastructure de donner des ordonnances d'arrêt municipal et de bâtir un espace de luxe. Donc ma question, encore une fois, pour le Premier ministre, qui est-ce qui va recevoir le premier arrêt de zonage municipal de la part du ministre de l'Infrastructure? Intervention du Président. Les députés vont s'asseoir. La réponse au ministre de Logement et des Affaires municipales. Monsieur le Président, voilà un parti politique qui perd un député par fois. Je vais vous raconter ce qui arrive. La cité de Toronto va recevoir des nouveaux autobus et des trains nouveaux aussi grâce à cette entente. Grâce à cette entente, le transport public va être plus sécuritaire. La députée d'en face appelle la place Ontario une gemme et nous, on va la mettre à jour. C'est un cadeau pour tous les Ontariens. Je félicite la députée d'en face qui s'est mariée récemment, mais vraiment, ça souligne le problème des néo-démocrates aujourd'hui. Ils ne représentent rien. Ils sont fâchés l'un contre l'autre. Ils sont fâchés contre la province. Ils sont fâchés contre les Ontariens. C'est pour cette raison qu'ils perdent élection après élection. Prochaine question. La parole au député de Thunder Bay, Atikokan. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Notre gouvernement a été élu avec un mandat très fort pour servir les Ontariens. Après des années de négligence et manque de respect de la part du gouvernement libéral, appuyé par les néo-démocrates, les Ontariens nous sont choisis pour prendre des décisions qui allaient améliorer leur vie. Cette décision comprenait adresser la crise d'abordabilité et assurer que le système de santé reçoive les appuis, les financements nécessaires. Les coûts opérationnels ont augmenté comme conséquence des augmentations des impôts fédéraux. Les hôpitaux partout dans la province devraient être en mesure de concentrer ses efforts pour pouvoir défermir des services de première ligne et ne pas pour payer des impôts et des formalités administratives. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait-elle dire comment est-ce que les augmentations des coûts dues aux augmentations des impôts fédéraux
affecte négativement notre système de santé. Réponse de la ministre de la Santé. Merci aux députés pour avoir soulevé cet enjeu si important. Dès que le gouvernement fédéral a imposé la taxe sur le carbone, on a vu un impact sur les hôpitaux partout dans la province. La taxe sur le carbone va affecter les hôpitaux en augmentant le coût de chauffage dans un montant de 27 millions de dollars pour l'année 2023-2024. C'est pour cette raison que nous avions offert des centaines d'heures additionnelles d'études d'imagerie. Mais voilà des problèmes qui affectent vraiment nos patients, nos hôpitaux. Et c'est pour cette raison aussi que notre gouvernement va continuer à se battre contre la taxe de carbone imposée par le gouvernement fédéral. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Notre gouvernement défend tous les Ontariens. Tout contrairement, l'opposition ne fait rien contre les effets des impôts fédéraux. Et cela est une des nombreuses choses par rapport auxquelles il demeure indifférent. Quand il n'y a pas de service de santé en Ontario, les gens doivent voyager dans des autres lieux de la province. Ces voyages ont un coût. Quand on voit que le coût continue à augmenter, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien que les résidents de la province doivent faire face à ces coûts additionnels juste dû au fait qu'ils ont besoin d'avoir cette étude médicale. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut-elle expliquer comment l'augmentation des impôts au niveau fédéral affecte les services de santé? Réponse la ministre. Encore une fois, merci aux députés qui soulèvent un enjeu très important, un enjeu qui a un effet très négatif sur tous les Ontariens, particulièrement sur celui qui habite au nord. Même si notre gouvernement cherche toujours des moyens de rendre les soins de santé plus abordables, le coût de la vie plus abordable, nous allons continuer à faire du travail pour assurer de pouvoir continuer à servir les Ontariens d'une façon qui soit convenable et effective. Nous savons que cet impôt rend les voyages plus chers. Nous avons démontré pendant les dernières fois les effets des impôts fédéraux sur les familles, les aînés, les étudiants. Nous demandons aux députés des deux côtés de la Chambre de se joindre à nous dans notre demande au gouvernement fédéral d'abroger cet impôt sur la cette taxe de carbone qui affecte tous les députés. Question à la députée de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président, pour le Premier ministre. Le partenariat de Metra Lynx avec le PDG Phil Verster a dit qu'il n'a pas d'échéancier pour le projet. Cette réponse est inacceptable. Qu'est-ce que vraiment, de quoi avez-vous besoin pour renvoyer finalement Monsieur Verster? Réponse le ministre de Transport. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a lancé l'extension du transport public la plus importante dans l'histoire de cette province. Monsieur le Président, les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre chaque fois, contre la ligne Ontario. 28 trains qui ont été enlevés. Les néo-démocrates ont voté contre. Nous venons d'annoncer une extension exceptionnelle vendredi dernier. Nous allons faire en sorte de pouvoir commencer le travail vite avec ce projet. Cela va réduire le temps de voyage en 22 minutes. Et il va y avoir plus de 26 000 personnes qui vont avoir 20 minutes de moins de marché entre les stations. Sous le leadership du Premier ministre Ford, nous avons un programme de 70 milliards de dollars pour appuyer le transport public. C'est le moment de que les néo-démocrates finalement nous appuient. Question complémentaire. Un ministre des Transports qui avait bien des chances pour expliquer les défaillances dans la construction et les centaines de petites entreprises qui ont dû fermer les portes à cause des perturbations. C'est une insulte, la réponse du ministre. Le gouvernement ne reconnaît pas ces échecs énormes et vous aimez vraiment cela. Madame la surprise, take your seats.
Minister of Transportation can reply. Ministre des Transports, le NPD a eu bien des possibilités de soutenir les transports en commun. Ils disent toujours non, chaque fois, Président. D'un côté, ils veulent soutenir les libéraux avec la taxe carbone la plus élevée. De l'autre côté, ils ne veulent pas soutenir 70 milliards d'investissements dans les transports en commun. Comme a dit le chef du gouvernement, chef parlementaire du gouvernement, ils disent qu'ils ne soutiennent pas nos mesures pour Eglinton West. La prolongation d'Eglinton, 6,5 millions de déplacements en moins en voiture. Et que fait le NPD? Ils ont voté contre cela. Chaque fois, ils votent contre la taxe carbone la plus élevée, pas d'investissement dans les transports en commun. Ils votent toujours contre. Avec le leadership du Premier ministre Ford, nous allons bâtir des routes, des autoroutes. Nous allons combattre la criminalité. Et nous allons avoir des transports en commun pour les Ontariens. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ordre, s'il vous plaît. Ordre. Ordre, s'il vous plaît. Député de Waterloo, leader parlementaire du gouvernement. Je crois que nous pouvons recommencer. Député de Don Valley West, merci, Président. Tous les jours, nous entendons les gens qui ont du mal à trouver un logement et leur gouvernement ne gère pas les défis à tous les niveaux. Nous les entendons parler de promesses pour de nouveaux logements. Mais, Président, tout comme ils ont brisé leurs promesses concernant la protection de la ceinture verte, le scandale pour lequel ils sont déjà sous enquête policière. Ils ont promis de faire baisser les taxes pour les familles de revenus moyens. Promesse non tenue. Ils ont promis de bâtir 1,5 million de logements d'ici 2031. Mais les chiffres prévoient seulement quelques dizaines de milliers. Et il demande plus de soutien du gouvernement fédéral. Question pour le Premier ministre. Quand est-ce que vous allez reconnaître que vous avez encore une fois brisé votre promesse et que votre plan pour le logement échoue? Réponse, Premier ministre. Peut-être qu'il faut aller voir votre nouveau leader, mais le souci principal pour le nouveau leader, c'est 1 million de dollars pour payer son salaire. C'est ça. Son problème principal. Vous avez choisi le mauvais leader. Vous auriez dû peut-être prendre le monsieur qui est au fond de la salle au lieu de lui dire que vous avez choisi. Arrêtez la pendule. Just a sec, just a sec. We stopped the clock. The Premier? 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 I had to stop the clock because I couldn't hear you. So just a second. House will come to order. Order. Okay. Order. Order. Restart the clock. The Premier has the floor. Relancez la pendule. Premier ministre, votre leader a les antécédents les pires de l'Ontario pour les nouveaux logements. Il faut vous parler. Vous avez parlé du nouveau logement. Il faudrait peut-être vous asseoir et puis en discuter avec votre nouveau leader. Elle a été contre le 413. Quelque chose de critique pour Brampton et Mississauga. Elle a été contre. Elle était pour la taxe carbone pendant 15 années. Elle a été en faveur de taxes pour les gens. Elle a augmenté les taxes dans le Mississauga sans précédent. Et c'est ça, votre nouveau leader. Pourquoi pas baisser les taxes, bâtir le 413, se débarrasser de la taxe carbone et puis bâtir des logements. Arrêtez la pendule. Members will please take their seats. Remind the members to make Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous parlez à travers la présidence et pas directement à travers la Chambre. Ordre, s'il vous plaît.
Order. Let's restart the clock. Relancer la pendule. Député de Don Valley-Ouest, question complémentaire. Merci, Président. Très clairement, le Premier ministre s'énerve avec notre nouveau leader. Il doit l'être parce que notre nouveau leader a beaucoup d'expérience dans l'amélioration de la vie des Ontariens et pas elle est des initiés. Elle aime le développement. Mississauga, jadis banlieue, est devenue transformée, s'est transformée en ville. Et l'année dernière, il y a eu un nombre record de permis de logement. Et elle est quatrième sur le continent pour les projets de construction. Et à cause d'un maire comme Bonnie Crosby, les critiques. Je vais demander au député de Don Valley-Ouest de retirer son observation parlementaire. Je retire mon observation. Bâtir 1,5 million de logements, il faut un effort de guerre. Il faut coopérer avec les sociétés civiles, d'autres paliers du gouvernement. Nous ne pouvons pas plutôt les attaquer. Encore une fois, pour le Premier ministre, quand est-ce qu'il va reconnaître que son plan pour le logement ne fonctionne pas? Et il faut travailler avec les partenaires municipaux pour bâtir des logements. Premier ministre, encore une fois, président, voilà un leader qui a dit non au... à l'élimination des péages, à la baisse des taxes. Pourquoi? Parce que le leader était trop occupé à se promener dans son jet privé. L'entrepreneur, nous savons qui c'est, et ça va revenir à leur hanter. Alors, dans son jet privé, sur propriété de 5 millions de dollars dans les Hamptons, elle est déconnectée de la citoyenneté. Question suivante. Député de Burlington. Merci, Président. Ma question pour le Président du Conseil du Trésor. Cette année, nous avons constaté qu'il y a eu des urgences comme les incendies sauvages en Ontario, dans ma circonscription et à travers la province. Nous demandons à la province de nous aider. Nous avons la responsabilité de protéger tous les Ontariens en cas d'urgence. Nous devons continuer de faire tout notre possible pour nous assurer d'avoir des plans pour faire face à toute urgence. Est-ce que le président du Conseil voudra partager ce que nous faisons pour renforcer la gestion des urgences, la réponse aux urgences et pour nous préparer pour l'avenir? Président du Conseil du Trésor, merci, Président. Merci à la députée de Burlington. Très simplement, il n'y a rien de plus important que la sécurité et le bien-être de nos familles, de nos êtres chers. Notre gouvernement, gestion des urgences Ontario, nous préparons la réponse aux urgences, la coordination, la reprise. Nous protégeons les 15 millions d'Ontariens. C'est une tâche 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. Et je suis fier et reconnaissante à tous qui sont des répondeurs de première ligne. Et notre gouvernement a rajouté, a investi 110 millions de dollars pour renforcer la gestion des urgences pour que l'Ontario soit plus sécuritaire et plus préparé. Et j'aurais plus à dire avec la question complémentaire. Question complémentaire. Merci, Président. Merci à la ministre pour sa réponse. Ça m'encourage de voir le leadership de notre gouvernement pour protéger le bien-être de nos familles, de nos êtres chers. Les Ontariens, y compris mes électeurs à Burlington, seront contents de savoir que notre gouvernement fait tout son possible pour les protéger. Le président du Conseil du Trésor a rappelé les 110 millions de dollars que nous avons alloués aux services d'urgence dans le dernier budget. Comment est-ce que nous gérons ce plan intégral de gestion de réponse aux urgences? Président du Conseil du Trésor, merci le député pour sa question. Alors, merci de me donner la possibilité de parler des investissements importants faits par notre gouvernement. Par exemple, pour avoir un Ontario sécuritaire et préparé, c'est la subvention pour la préparation aux urgences qui va aider les municipalités à acheter des équipements critiques, par exemple des machines à sac de sable, ou pour investir
d'ailleurs dans la formation des premiers secours. C'est un investissement intelligent qui va donner aux municipalités les ressources pour protéger les landes lorsqu'il y aura un incendie sauvage ou une tempête. Je me réjouis de pouvoir continuer de travailler avec les gouvernements locaux, les Premières Nations et les organisations locales pour nous préparer pour les urgences maintenant et dans l'avenir. Merci beaucoup. Question suivante. Député de Niagara Falls. Merci, Président. Ma question pour le Premier ministre. La Coalition de la santé de l'Ontario a publié son rapport aujourd'hui. Cette année, la province de l'Ontario, il y a eu des fermetures dans 868 départements des urgences et 360 centres des soins urgents. Ça affecte ma communauté, par le centre Douglas Memorial à Fort Erie. Presque la moitié de la population de Fort Erie a plus de 50 ans. 8 000 résidents n'ont pas de médecin de famille et il n'y a pas de transport en commun fiable. Avoir un centre d'urgence ouvert 24 heures sur 24, ça peut faire la différence entre la vie et la mort pour nos résidents. Président, quand est-ce que le Premier ministre va arrêter de combattre les infirmiers devant les tribunaux, va abroger le 124 et va financer correctement le système de santé publique pour garantir que chaque communauté a accès aux soins de santé qu'ils méritent quand ils en ont besoin. Premier ministre adjoint et ministre de la Santé, je rappelle encore une fois aux députés NPD qu'en faisant des investissements, que ce soit dans l'énoncé économique d'automne ou dans le budget, votre parti et vous votez toujours contre. Donc, lorsque nous apportons des modifications législatives pour permettre aux médecins qui souhaitent pratiquer en Ontario de le faire rapidement sans devoir attendre un transfert de licence, les députés d'en face votent contre. Et lorsque nous avons des investissements capitaux dans 50 nouveaux hôpitaux élargis, y compris dans sa circonscription avec l'hôpital du Sud Niagara, vous votez contre. Mais je veux dire, vous venez pour les photos, mais vous votez contre, vous aurez la possibilité de faire une différence dans votre communauté. C'est ça ce que vous laissez à vos électeurs. Je rappelle qu'il faut parler à travers le président. Question complémentaire. Député de Nickel Belt. Merci, Président. La Coalition de la santé de l'Ontario a pu identifier 1199 services hospitaliers qui ont été fermés. 868 centres d'urgence. Les centres des soins immédiat, fermeture de laboratoire. Chaque fermeture met à risque la santé et la vie des gens. Le ministre doit être fier. Son plan pour créer une crise, ça fonctionne parfaitement. Combien d'autres cliniques privées est-ce que le ministre pourra financer avec ce niveau de crise? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Des ministres de la Santé, je crois qu'il est important, Président, de rappeler les députés en face que, en fait, ces chiffres et ces questions n'ont jamais été gérées correctement. Aucun gouvernement provincial n'a garanti les soins. En fait, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Nous mesurons les changements que nous apportons et je dois dire que les investissements que nous continuons de faire, que ce soit le 50 lits de réhabilitation, un agrandissement dans Sudbury, et puis un centre de santé de Sciences Nord, ou 72 lits à l'hôpital Saint-Joseph. Mais le NPD a voté contre dans leur propre communauté. Et là, encore une fois, ils viennent pour les photos. Mais lorsqu'ils peuvent faire une différence dans leur communauté et soutenir ces modifications, ces investissements, ils votent contre. Merci. Député de Halton Norfolk. Merci, Président. Ma question pour le ministre des Transports. Il n'y a rien que souhaitent les gens de Calédonie pour Noël que de revoir la construction du pont Argyle. C'est la quatrième fois que je pose une question concernant ce pont depuis août 2022. Il y a quelques semaines, j'ai vu des ambulances qui essayaient de traverser le pont.
et les paramédicaux étaient paniqués. Ça ne devrait pas avoir lieu sur un pont quelconque, mais ça rouvre tous les jours à Caledonia. Mes électeurs en ont marre de l'incapacité du gouvernement de faire son travail. Alors, ministre, quelle sera la date du début de la construction du pont Argyle? Ministre des Transports, merci, Président. Et la sécurité, c'est une priorité pour ce gouvernement en tant que ministre des Transports. Nous avons un budget de 27 milliards de dollars pour investir dans les routes, les autoroutes, les ponts. Et je me réjouis de travailler avec le député en face. Nous avons fait beaucoup de progrès sur ce dossier. Et merci pour avoir signalé ces problèmes. Et nous avons continué de travailler avec les partenaires appropriés pour que ce projet se réalise. Mais à la différence des libéraux du NPD, notre gouvernement s'engage à bâtir des routes, des autoroutes, d'investir dans les ponts à travers la province. 27 milliards de dollars dans notre budget, Président, pour les 10 prochaines années. Et tout cela, les NPD et les libéraux ont voté contre chaque fois. Question complémentaire. Merci, Président. Voilà donc, pas de Noël pour Caledonia cette année. Et puis, les progrès. Quels sont les progrès dans les transports, le ministère, il y a des résidents qui pourraient continuer de vivre chez eux. Mais qu'est-ce qui retarde la reconstruction du pont? Pourquoi est-ce que le ministre ne veut pas dire aux électeurs de ma circonscription quel est le problème? Mais comme j'ai dit au ministre président, il y a beaucoup de personnes qui craignent que le pont ne s'effondre. Aucun gouvernement, aucun ministre ne veut voir cela, assumer cette responsabilité. Alors, est-ce que le ministre voudra dire clairement pourquoi il y a tellement de retard? Qu'est-ce qui empêche la reconstruction du pont? Le ministre des Transports. Président, nous comprenons, nous apprécions qu'il y a des défis à travers la province, mais nous sommes engagés à soutenir les investissements, la différence du gouvernement libéral précédent pendant 15 années qui n'a rien fait pour soutenir, réparer les ponts, les routes. Alors nous, nous disons oui dans les investissements dans les communautés rurales, et y compris le pont avec le nouveau... le nouveau pont à cinq segments. Nous allons procéder à la construction de ce grand nouveau pont. Merci au Premier ministre et avec le leadership de ce gouvernement, nous investissons dans les routes, dans les ponts, 27 millions de dollars. Ce projet sera un élément de ces investissements. Malheureusement, le gouvernement président libéral, pendant 15 années, n'a rien fait pour l'infrastructure, mais on continue de nous assurer d'investir là où il faut pour les routes, les autoroutes, les ponts et les transports en commun. Question suivante. Député de Thornhill, merci, Président. Ma question pour le solliciteur général. Notre gouvernement a récemment annoncé le 157, renforcer la justice avec plusieurs modifications importantes, par exemple l'amendement de la loi sur les coronaires qui exige actuellement une enquête obligatoire pour chaque mort dans un site de construction, et le 157 va permettre un examen annuel des coronaires et puis un rapport public sur les accidents liés au bâtiment, à la construction. Cela souligne notre engagement à la sécurité et au bien-être de nos travailleurs. Est-ce que le solliciteur général voudrait bien expliquer comment ces amendements à la loi sur les coronaires va permettre des recommandations, un développement des recommandations plus rapides et utiles dans le cas d'action face à des accidents? Ministre, solliciteur général, merci à mon collègue de Thornhill pour ces questions. Tout décès, c'est un décès de trop. Alors, la sécurité publique, c'est essentiel. Et nous nous engageons à explorer toute option pour éviter de nouveaux décès. C'est pourquoi mon collègue, le procureur général, a déposé le 157. Oui, la loi des coronaires exige une enquête obligatoire pour chaque décès
liées à la construction. Notre modification va nécessiter un examen annuel des morts dans le contexte des projets de construction dans l'année précédente. L'intention de cette modification à la loi des coroners, c'est pour empêcher de nouveaux décès dans le secteur du bâtiment en étudiant les tendances et les problèmes sectoriels pour faire des recommandations qui pourront être mieux définies et plus rapidement concernant cette mesure va aboutir à un Ontario sécuritaire et fort pour éviter de nouveaux décès. Question complémentaire. Merci, Président. Merci au solliciteur général pour son explication. Ça me rassure de savoir que notre gouvernement va rendre plus facile et plus rapide le processus pour les familles. Perdre un être cher, c'est une tragédie, une des choses les plus affreuses pour une famille. Et toute personne qui a perdu un membre de leur famille dans un accident mérite une enquête et pouvoir participer à l'enquête. Il est essentiel que notre gouvernement offre aux familles de l'Ontario les garanties qu'ils vont pouvoir défendre leurs droits concernant une enquête. Est-ce que le solliciteur général voudrait bien dire à la Chambre comment les modifications du projet de loi 157 vont aider les familles à cet égard? Solliciteur général, merci, Président. Et encore une fois, merci à le député de Thornhill. Et le député a raison, la mort d'un être cher, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à une famille. Et nous sympathisons avec toute famille qui aurait perdu parents, époux, épouses, enfants. Je suis d'accord que les familles ont le droit de demander une enquête si nécessaire. Et ça, c'est prévu dans le 157. Leur demande pour une enquête va être considérée par le coroner. La modification proposée au 157 garantit l'explication des faits aux familles pour que ce soit plus rapide. Les modifications vont améliorer le processus pour apporter justice aux familles de manière rapide. Notre gouvernement va toujours répondre présent pour les travailleurs qui aident à bâtir l'Ontario tous les jours, qui nous protègent, nous gardent en sécurité, nous allons toujours les défendre. Question suivante, député de University Rosedale. Merci. Question pour le Premier ministre. La caisse d'épargne des jardins vient de dire que les quartiers qui ont avec beaucoup de logements temporaires, location temporaire, ont moins de logements vacants et des prix plus élevés pour aider les logements à long terme. Le gouvernement doit réprimer les locations à court terme. Est-ce que vous pouvez aller de l'avant avec avec ce principe, ministre des Affaires municipales du logement? Merci, Président. Permettez-moi de dire que moi aussi, j'ai des soucis concernant cette situation, mais en même temps, en sortant de COVID, il y a des défis auxquels nous avons fait face concernant la commission des propriétaires et locataires. Et beaucoup de gens font appel et des locations à court terme à cause des défis, des problèmes avec la loi sur les propriétaires et les locataires. Le ministre du Logement, évidemment, essaie de réduire les arriérés dans les audiences du Conseil. Et vous savez, Président, nous avons nous voulons que les gens puissent rester dans leur logement, mais il s'agit également d'augmenter l'offre de logements en location. Mais je partage les soucis de la députée et je crois qu'il faut que les gens qui ont appel à des logements à court terme puissent avoir confiance qu'ils vont pouvoir trouver un logement à long terme. Question complémentaire. Lorsque nous parlons de location, logement à location, ça me ramène à ma question pour le Premier ministre. Une étudiante qui vit dans le centre de Toronto, il a été victime de logements abusifs lorsque un locataire est viré
ou lorsqu'on peut louer une chambre à la semaine, c'est la nouvelle réalité pour les étudiants. Les agents d'application des règles municipales ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire appliquer nos lois concernant les logements en location? Ministre des Affaires municipales et du logement, je crois que le vrai problème, c'est que les étudiants n'ont pas la possibilité de vivre dans les campus ou sur les campus dans beaucoup de communautés à travers l'Ontario, ils ont été frustrés. Enfin, les universités et les collèges n'ont pas pu bâtir des logements sur le campus. C'est une des raisons pour lesquelles ils nous ont dit que nous allons redoubler nos efforts dans la nouvelle année pour collaborer avec le secteur pour avoir encore des logements pour les étudiants. C'est absolument essentiel. Comme je l'ai dit, nous allons faire tout notre possible pour ça. Thank you. Next question, the member for Mississauga. Question suivante, député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, Président. Ma question pour le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. L'Ontario connaît une pénurie historique de travailleurs. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas candidats. Souvent, dans les métiers spécialisés, notre gouvernement doit continuer de faire preuve de leadership et d'agir en collaborant avec les employeurs, les syndicats, pour encourager encore des personnes à devenir membres des métiers spécialisés, avoir une formation. À peu près 1 sur 5 emplois dans l'avenir va être dans les métiers spécialisés. C'est pourquoi il faut agir urgentement, maintenant, plus que jamais. Les 10 prochaines années, il faudra 100 000 personnes de plus dans le secteur du bâtiment seulement. Est-ce que le ministre voudra bien expliquer quelles sont les actions adoptées par le gouvernement pour répondre à la pénurie de travailleurs dans les métiers spécialisés? Adjoint parlementaire, député de Mississauga Nord. Merci, Président. Merci au député de Mississauga, Aaron Mills, pour une question très importante. Et notre gouvernement, et sa mission, c'est d'aider les gens, aider les gens à s'entraîner pour devenir un métier spécialisé. Nous investissons pour encourager les étudiants à devenir un métier spécialisé. Le ministre de l'Éducation a participé, par exemple, à une foire pour les métiers spécialisés. À travers la province, des dizaines de milliers d'éducateurs et d'étudiants, d'élèves ont essayé de se renseigner sur les métiers spécialisés. Je suis fier de dire qu'avec ce programme, il y a un nombre accru d'apprentis qui s'inscrivent, une augmentation de 24% l'année dernière seulement. Pour les Ontariens, les travailleurs d'Ontario, nous allons continuer de travailler avec nos partenaires pour continuer d'investir, pour réparer le système, pour aider les gens à trouver des emplois qui payent bien. Merci. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Président. Ça me rassure de savoir que les métiers spécialisés, les élèves auront la possibilité d'avoir une formation. C'est un effet positif sur les jeunes. Pourtant, nous constatons qu'il y a plus de jeunes qui s'intéressent aux métiers spécialisés, mais il est inquiétant également de savoir que les femmes sont sous-représentées dans les métiers spécialisés, étant donné la pénurie critique de main-d'œuvre. Le gouvernement doit éliminer les obstacles pour les femmes qui souhaitent devenir membres des métiers ou avoir une formation de métiers spécialisés. C'est pourquoi nous devons les encourager. Est-ce que l'adjoint parlementaire voudrait bien expliquer ce que nous faisons pour briser les obstacles pour les femmes qui souhaitent s'entraîner, se former pour les métiers spécialisés? Député de Mississauga-Mountain. Merci encore une fois pour cette excellente question. Notre gouvernement a été clair depuis la première journée. Les femmes appartiennent à la satellite aux métiers spécialisés comme les hommes. Point.
les gestes sont plus forts que les paroles. Donc, on a investi pour aider à la formation de baisser pour le programme dans les métiers spécialisés, plus 700 000 pour le programme numérique et beaucoup, entre autres. Plus tôt cette année, le gouvernement a mandaté les employeurs qui doivent donner de l'équipement personnel, de protection personnelle qui est fait pour elles dans les chantiers. On a vu une différence, 30% d'augmentation de femmes qui s'inscrivent aux apprentis, à l'apprentissage. Natasha Ferguson, une jeune femme noire, qui est dépassée de ses biais et elle dit nous a remercié. On enlève les obstacles et on travaille pour les travailleurs. Merci. Question suivante. Le député de Quittenham. Megwich, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au Premier ministre, le coût de la vie dans le Nord est très élevé. Un rapport de 2016 dit que les familles des Premières Nations du Nord dépensent plus de la moitié de leurs revenus pour les épiceries et pour se nourrir. Je suis allé à la Première Nation Kiwitun et j'ai rencontré April McKay qui a un jardin communautaire. J'y suis allé, moi, et ce jardin donne des légumes frais à Kiwitun. Monsieur le Président, y a-t-il un moyen? Comment ce gouvernement peut aider des gens dans le Nord, comme April, qui veulent créer des jardins communautaires et améliorer la sécurité alimentaire? Le ministre du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones. Merci pour la question, pour la discussion qui évolue sur cette question. C'est important qu'on reconnaisse que depuis 2 ou 3 semaines, la taxe carbone, etc., mais ayant vécu dans des communautés isolées, je suis bien conscient que les aliments sont chers. C'est pas seulement le coût des aliments, mais aussi les normes nutritionnel. Oui, la réponse chaude est absolument la sécurité de l'emploi. Le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario appuie déjà des communautés comme Skandigan, Martin Falls, Yapska. Et il y a des nouvelles de partenariats avec l'Université de Guelph et une bonne discussion avec la ministre de l'Agriculture, comment on peut mettre tout ça ensemble pour donner la capacité pour avoir des jardins communautaires, des micro-firmes, et pour, afin qu'on puisse avoir plus d'aliments disponibles dans les communautés éloignées. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, en ligne. Quand on parle du coût de la vie pour les Premières Nations, c'est à peu près 25% plus élevé que le reste du pays. Pendant cet été, j'étais à Webekwe. Et, Monsieur le Président, le prix de l'essence, c'était 4,29 $ le litre. Mais certains experts me disent que c'est 2,50 $ par litre pour le livrer, soit par camion ou par avion. Monsieur le Président, qu'est-ce que ce gouvernement fait pour la population du Nord qui ont besoin de l'essence abordable pour la subsistance, la chasse et la pêche? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Je pensais qu'on allait continuer à parler de la sécurité des aliments. On a réduit la surcharge pour les avions qui vont dans les communautés éloignées. On va continuer à s'opposer sur la taxe carbone qui va augmenter le coût des denrées et des produits. Je ne sais pas quelle est l'opinion des députés, mais on va continuer à cibler les coûts pour les communautés isolées. On va pour tourner à la sécurité de l'alimentation. La prochaine semaine, je serai à une conférence avec un protocole de camp, avec le service de formation et le conseil tribal de Meshkishka. Et la communauté Diamond Lake de Manitoba vont venir pour signer un protocole d'entente pour consolider le pouvoir d'achat d'aliments et pour étudier les options pour avoir des aliments dans leur propre communauté. Je serai là parce que c'est important pour la nutrition et l'abordabilité pour les communautés éloignées.
C'est la fin de la période des questions. Certains députés m'ont dit qu'ils ont des rappels au règlement, mais avant cela, je veux informer la Chambre que selon le règlement 9G, le greffier a reçu des avis écrits du leader parlementaire du gouvernement indiquant qu'un changement temporaire au calendrier de la Chambre est nécessaire et que les affaires de l'après-midi, mercredi le 6 décembre 2023, commenceront à 13 heures. Rappel au règlement, le député de Niagara Falls. Mais si j'aimerais présenter des gens de ma circonscription, Heather Kelly de Fortier, Lisa Bould de Sainte-Catherine, Sue Ott de Niagara, de la coalition de santé de Niagara. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les gens de la coalition de la santé de l'Ontario qui sont venus de partout en Ontario. Merci. Le ministre de l'Éducation a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Au nom de mes collègues, je veux encourager tous les parlementaires à nous rejoindre pour la célébration du 10e célébration de l'autobus du centre Simon Wiesenthal. Il y a une réception de midi à 13h. On lance la semaine de sensibilisation à l'Holocauste et c'est le début. Merci. Par la suite, on a un vote différé au sous-amendement à l'avis de motion numéro 20 émanant du gouvernement quant à l'attribution de temps du projet de loi 136, 150 et 154. Convoquer les députés, sonnerie de 5 minutes.